Bonjour à tous et à toutes. Alors, je rentre de 2 jours de colloque à Metz. C'était les 3 et 4 septembre, bah, du coup 2020. Et c'était un colloque très chouette qui s'appelait Penser les arts littéraires et qui était co-organisé par la France et le Québec. Et en fait, bon, évidemment, avec la pandémie, les Québécois n'ont pas pu être présents physiquement le jour du colloque. Et c'est un colloque qui connaîtra une deuxième édition au Québec. Et donc, l'idée du colloque, c'était d'interroger ce qu'on pourrait appeler dans le champ contemporain les arts littéraires. Alors, je mettrai en barre d'information l'appel à communication du colloque qui est super bien rédigé, super intéressant et super stimulant. Disons que de manière plus large, ça va venir interroger un colloque. Enfin, tout un ensemble de créations et d'œuvres qui se trouvent en dehors du livre aujourd'hui et qui vont en fait rencontrer d'autres types d'art, notamment l'art de la performance, les arts numériques et les arts plastiques. On a eu pendant le colloque, c'était très très centré sur la littérature, pardon, sur la littérature en contexte numérique, mais il y a aussi une communication par exemple super intéressante sur la présence des technologies numériques dans le théâtre contemporain. Ouais, en fait, il y avait plein de communications super intéressantes. Il y avait aussi un truc sur les écrivains quand ils sont commissaires d'exposition, notamment à l'IMEC. Donc, l'IMEC, c'est le lieu qui stocke les archives des écrivains. Ouais. Et du coup, moi, dans le cadre de ce colloque-là, je m'étais demandé, bon, comment est-ce que je vais aborder mon terrain de recherche, c'est-à-dire le forum des jeunes écrivains? Et qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter? Mais il me semblait qu'il y avait quelque chose qu'on pouvait rattacher à cette question de la performance. Et du coup, je me suis dit, en fait, ce qui est super intéressant sur le forum, comme c'est une communauté numérique, c'est qu'effectivement, il y a des performances, mais si on part de la définition presque minimale de la performance artistique, on se rend vite compte que normalement, ce que suppose une performance, c'est la coprésence, pardon, du corps du performeur et des corps du public. Bon, sur un forum internet, c'est pas trop possible. Donc il y a ça, et puis il y a aussi la polysémie qu'il y a dans le mot performance. Une performance, c'est aussi quelque chose qui engage un rapport au corps, l'endurance du performeur. On peut parler d'une performance sportive. Puis je me suis dit, en fait, dans la culture geek, il y a toute une culture du défi et du challenge qu'on trouve beaucoup, notamment sur YouTube et puis maintenant sur TikTok. Et finalement, ça produit des formats, des genres, et donc des esthétiques web qui vont peut-être avoir une influence sur les esthétiques du forum. Et je me suis rendu compte comme ça qu'en fait, il y avait tout un petit corpus d'œuvres qui avait un ensemble de caractéristiques communes sur le forum. Et ces œuvres-là, c'était des sortes de performances. Bon, pour l'instant, je suis très très floue, mais vous allez voir que en fait, mon corpus était assez cohérent. Dans le cadre de ma communication, j'étais vraiment partie d'une œuvre que j'ai analysée un peu plus en profondeur. Et on va y venir très 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 bientôt. Mais pour que ça forme un corpus, il fallait qu'il y ait plus d'une œuvre. Donc j'en avais sélectionné deux autres. Et il y en a plus sur le forum naturellement. Beaucoup plus même. Et je ne savais pas si j'aurais le temps de les présenter. Et puis en fait, quand on est un peu stressé à l'oral, on parle vite. Et du coup, j'ai parlé vite et j'ai pu présenter les deux autres œuvres rapidement à la fin. Voilà, donc j'espère que ce ne sera pas trop brouillon et embrouillé parce que finalement c'est un ensemble d'idées que j'ai essayé de problématiser et je ne suis pas sûre d'en être encore tout à fait capable. Et en fait je suis partie dans ma communication, donc je vais le refaire là, un petit peu, comme on dit, in medias res, dans le vif du sujet. Comme ça. Le 8 mars 2018, à 18h, sur le Forum des jeunes écrivains, la membre Juliette N'avait pas peur se lance dans une performance qu'elle intitule 24 heures de direct sur la chatbox
record du monde. Elle déclare le jour même à 3h du matin qu'elle établira un nouveau record du monde de présence sur une chatbox internet. Puis là, en fait, si vous regardez tout en bas, en tout petit caractère, mais ça se verra peut-être pas sur la vidéo, elle précise que cette performance n'est pas homologuée. Donc avant d'aller plus loin dans la présentation de cette œuvre-là, posons-nous quelques questions. Qu'entend Juliette n'avait pas peur par chatbox? Bon, a priori, si vous êtes sur le forum, vous savez. Et qu'est-ce qu'une performance de cette sorte peut nous apprendre de la manière dont on pratique les arts littéraires sur un forum d'écriture? Comment peut-on penser l'art de la performance supposé impliquer les dimensions corporelles, spatiales et temporelles sur une plateforme du web 1.0, d'où les corps de la performeuse comme du public semblent a priori absents? Et enfin, qu'est-ce qu'une œuvre comme les 24 heures de direct sur la chatbox peut nous dire de l'influence des esthétiques web, qu'elles soient ou non artistiques, sur la création littéraire en ligne? En gros, il y avait trois temps dans mon analyse. Donc, dans un premier temps, je partais de cette question du corps. Donc, comment est-ce qu'on scénarise le corps dans une performance web? Dans un deuxième temps, j'analysais un petit peu plus en profondeur la performance de Juliette n'avait pas peur. Et dans un dernier temps, je me posais la question des influences esthétiques. Donc, le forum des jeunes écrivains, donc voici la belle arborescence, a été créé en 2005 par trois adolescents qui écrivaient de la fantasy. Et c'est intéressant de voir que dans le paysage aujourd'hui des forums d'écriture francophone, la plupart des forums qui sont restés un peu fréquentés et actifs ont été créés dans ces eaux-là, vers 2005. C'est-à-dire le monde de l'écriture, vos écrits, Cocycliques, etc. Et en fait, les forums ont un peu connu le même destin que les sites et blogs d'écrivains. De 2005 à 2015 à peu près, on a l'âge d'or de la blogosphère littéraire et des forums d'écriture. Et puis en fait, avec le modèle des réseaux sociaux qui commence à s'implanter de plus en plus durablement entre 2010 et 2020, et des sites qui jouent le rôle de centralisateurs comme Wattpad pour l'écriture en ligne, bah on a une érosion lente des forums et des blogs et sites d'écrivains. Ce qui aujourd'hui pose tout un tas de problèmes, parce qu'on se rend compte que finalement, les réseaux sociaux sont des formats propriétaires qui extorquent les données des internautes, et que ce sont aussi des formats très très prescriptifs. Et du coup, du point de vue de la créativité littéraire, c'est pas forcément le plus intéressant. Donc aujourd'hui, en fait, il y a tout un militantisme de la part des écrivains du web qui vise au retour vers les sites d'écrivains et vers des esthétiques parfois un peu pauvres, en tout cas moins lourdes en données. Ce serait bien qu'il y ait l'équivalent pour les forums d'écriture. Qu'on dise non, quittez Wattpad, etc. Les forums, c'est mieux. Bref, je me suis égarée. J'en étais à la présentation du forum. J'allais dire qu'en fait, il était hébergé par la plateforme d'accueil Superforum, qui du coup est son CMS. Et c'est le plus gros hébergeur de forums francophones. Il met à disposition des membres un langage d'édition de type BBCode. Donc ce sont des balises extrêmement simples d'utilisation, comme on peut le voir ici. Mais on peut aussi utiliser du HTML d'ailleurs, donc malgré tout, ce sont des langages d'édition qui sont moins prescriptifs que ceux des réseaux sociaux. Donc depuis l'année de sa création, la plateforme s'est enrichie de quelques milliers de membres, d'une histoire longue traversée par de nombreuses esthétiques et par une réflexion collective menée aussi bien sur les tenants de l'édition contemporaine que sur les modalités de l'écriture web. En ce sens, le forum s'est scindé en deux principales communautés de pratique. Et là, on peut utiliser l'introduction du livre de Gilles Bonnet qui s'appelle « Pour une poétique numérique », parce que dès l'introduction, il s'emploie à catégoriser deux types de rapports au web quand on est écrivain. Il y a des écrivains qui investissent le web comme un simple outil de médiation, ça ce sont les mots de Gilles Bonnet, et qui l'instrumentalise à des fins externes.
Donc, sur le forum, ces écrivains-là, ce seraient ceux qui investiraient la communauté comme un tremplin vers l'édition traditionnelle. Le forum est alors, dans un premier temps, le lieu d'élaboration du texte. Il est utilisé comme atelier et les autres membres remplissent le rôle de bêta-lecteur du texte travaillé. Dans un second temps, ces membres-là, toujours, s'échangent des conseils et créent une base de données de savoir sur l'édition contemporaine. Je crois que j'avais une slide sur la section édition. Voilà. Base de données de savoir aussi sur les contrats d'auteur et la promotion de leur image d'écrivain dans l'espace médiatique. Et ce qui est hyper intéressant quand on accède aux données analytics du forum, c'est qu'on se rend compte qu'il y a toute une part du public du forum qui est composée de membres, enfin de personnes qui ne sont pas inscrites, donc des lurkers, des personnes invisibles, et qui fréquentent la section édition et autopublication parce que c'est vraiment une sorte de wiki. De l'édition francophone contemporaine. Et donc le forum des jeunes écrivains est le site le plus fréquenté, je pense, de tout l'internet sur la question pardon, les gens qui cherchent des informations sur l'édition, les contrats d'auteur, etc. Donc, les textes de cette première communauté d'écrivains sont conçus pour l'édition imprimée traditionnelle. Donc, ils respectent les formatages qu'elle inspire. Par exemple, les romans sont divisés en chapitres, les genres pratiqués sont ceux de l'édition traditionnelle. Les textes ne sont que peu multimédiatiques, c'est-à-dire que c'est essentiellement des textes textuels en fait, hein, qui ne vont pas intégrer des hyperliens, des images, des vidéos, etc. Voilà. Et la deuxième communauté de pratiques qui se dégage peu à peu du forum, il faut bien voir que ce n'est pas des communautés de pratiques hétérogènes, hein, on peut très bien. Je me perds un peu, désolée. Donc la deuxième communauté de pratique, ce serait plutôt ce que Gilles Bonnet appelle des écrivains. Donc des auteurs qui ne se contentent pas d'une représentation et d'une médiation de soi grâce aux technologies numériques, mais qui les investissent comme un véritable environnement doté de ses contraintes et de ses potentialités spécifiques. En ce sens que dans le cas des écrivains, et Gilles Bonnet à la base il utilise ce néologisme pour parler des écrivains comme des sites, on va utiliser les potentialités de l'outil numérique pour créer quelque chose. Donc Internet, c'est plus un espace de médiation, mais c'est un espace de création, un environnement de création et un support de publication à part entière. Donc sur le forum, on a des membres qui ont investi la plateforme comme espace de publication à part entière, sans qu'il constitue nécessairement une étape préalable à une publication en maison d'édition, qui serait alors conçue comme plus légitimante. C'est à partir de ce moment qu'il devient possible pour les membres de penser le forum comme un support de publication porteur de contraintes et de virtualité esthétique. Bon, là j'avais mis une petite slide pour montrer un exemple tout bête du topic de poésie de Doliprane qui s'appelle, me semble-t-il, Ibuprofène. Et on voit ici qu'il y a une petite piste audio Vocaroo, un mème qui est ici réinvesti. Donc, J.E. Mamber, is this a true poet? Et là, il montre en fait un extrait du topic de Doliprane, donc c'est un peu méta. Et ensuite, on a une piste sonore. Et on voit ici qu'il y a une très forte hétérogénéité médiatique et qu'il y a aussi un travail de recontextualisation. Donc on est vraiment dans des esthétiques de type web. Donc c'est du boulot d'écrivain, c'est pas forcément. En fait, j'avais pris cet exemple-là parce qu'il était parlant tout de suite. Donc, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est un corpus d'œuvres qui émerge de cette seconde communauté de pratique, des œuvres nativement numériques, utilisant les moyens de création mis à disposition par la plateforme et interrogeant l'environnement de création qui est le leur. Ce qui différencie l'environnement de création proposé par le forum de nombreux autres espaces de publication web, comme les sites et les blogs, c'est d'abord sa dimension communautaire. Chacun des membres assure un rôle double et réciproque, à la fois celui d'écrivain et celui de lecteur des autres écrivains de la plateforme. La publication en communauté encourage la création en collectif, mais aussi des processus de création qui évoquent, par exemple, le jeu de société, où chacun des membres est invité à tenir un rôle distinct et à suivre une règle du jeu collectivement énoncée. L'exemple paradigmatique de ce type de
comportement quand on pratique l'écriture, ce serait le RPG textuel, mais il n'y a pas vraiment de RPG textuel sur le forum des jeunes écrivains. Enfin, il y a eu, mais il y a très très longtemps, moi j'étais même pas encore inscrite, donc ça fait plus de 10 ans, quelque chose qui s'appelait les Hangars de Dunkerque et qui était une forme de RPG textuel. Dans les archives, il y a une section entière dédiée à ça, mais j'ai jamais trop fouillé, il faudrait que j'aille voir un jour. Alors, quelques-unes des œuvres de ce corpus, en fait, moi, dans mon travail de thèse, j'étudie surtout ce corpus-là, parce que comme c'est une thèse de poétique, bah, ce sont les phénomènes esthétiques de ce corpus-là qui m'intéressent. Mais je m'intéresse aussi à la communauté de pratique sur le forum, disons des écrivains qui investissent le forum comme base de données de savoir sur l'édition, comme retravail du texte et tout, c'est super intéressant aussi. Je m'égare. Donc quelques-unes des œuvres de ce corpus reposent sur une similarité de principe qui pourrait être ainsi décrit. Un membre du forum énonce, à l'avance, une règle du jeu possédant une dimension contractuelle. Il se propose une performance qui passe par l'écriture et la publication en direct, dont il définit la durée. Cette performance est liée à l'endurance et met le corps du performeur à l'épreuve. Il établit des critères quantitatifs qui permettent d'attester sa réussite au fur et à mesure de l'élaboration de l'œuvre, qui est donc une œuvre processuelle. Enfin, comme dans le cas des performances artistiques en général, et là je citais un extrait du livre La performance de Yannick Bégocq et Nathalie Boulouche, l'œuvre se confond avec l'expérience Iketnou de son accomplissement dans une coprésence en espace-temps réel du performeur et de son public. L'espace-temps du forum est-il un espace-temps réel? Ça, c'est une question à laquelle j'aurais envie de répondre oui. Donc, l'existence de plusieurs œuvres de ce type dans l'espace du forum pourrait nous faire conclure que la performance artistique médiatisée par l'outil numérique, ici les CMS de Superforum, est une composante importante de la poétique numérique telle qu'elle se déploie sur un forum d'écriture. Donc là, on va revenir aux 24 heures de direct. Sur la chatbox, Juliette n'avait pas peur, utilise trois espaces distincts du forum. Elle utilise la chatbox, que voici, qui est un encart de discussion instantanée, donc synchrone, d'ordinaire dévolu aux conversations badines et extra-littéraires. Elle utilise ensuite un topic de texte, où elle publie au fur et à mesure le texte qu'elle écrit à partir des interactions survenues sur la chatbox. Et qui appelle un mode de lecture feuilletonesque. Et enfin, elle utilise un topic de commentaire réservé aux réactions des lecteurs, donc un topic qui est à la fois conversationnel et critique. Elle utilise donc la pluralité des couches d'édition qui organisent l'architecture du forum et qui prescrivent des genres de discours associés. À la fois la synchronie conversationnelle sur la chatbox, mais le texte est périssable, hein, sur la chatbox, il disparaît au fur et à mesure. La synchronie sur les topics d'écriture, mais la conservation du texte. En effet, il ne demeure aujourd'hui que les topics de texte qui font office de captation de traces de la performance telle qu'elle a eu lieu. Donc, ces trois dimensions d'écriture, d'habitude sur le forum, elles sont séparées. Elles obéissent à des fonctions distinctes dans l'écosystème. Mais là, Juliette les noue au sein d'une œuvre processuelle, et finalement, les œuvres processuelles se définit souvent par ça, c'est-à-dire une hétérogénéité de rôles, de fonctions, de médiums qui sont noués les uns aux autres. Mais comment Juliette scénarise-t-elle la présence de son corps mis en difficulté par la performance d'endurance? Ici, tout bêtement, rester éveillé 24 heures et ne pas permettre à son compte de se déconnecter de la chatbox, sachant que la déconnexion est automatique au bout de 15 minutes d'activité. Donc ça veut dire que pendant 24 heures, au moins une fois toutes les 15 minutes, Juliette doit intervenir. Donc finalement, comment est-ce qu'elle va créer ce qu'on appelle l'illusion de liveness? Donc Fanny George, qui est une chercheuse passionnante, qui a beaucoup travaillé sur l'identité numérique, explique que dans la recherche anglophone, on appelle liveness l'impression par laquelle les utilisateurs ressentent la représentation et le monde virtuel comme participants de leur expérience sensible et vécue. Donc, en fait, pour créer cette illusion de liveness, elle utilise deux types de médiatisation du corps.
une qui est outillée techniquement et une qui est plus littéraire. Donc celles qui sont outillées techniquement obéissent à l'industrialisation du processus d'auctorialisation des textes prévus par les CMS de Forum Actif. Industrialisation du processus d'auctorialisation des textes, c'est... Ça émane d'un article hyper intéressant d'Étienne Candel et Gustavo Gomez Mejia qui s'appelait « Écrire l'auteur, la pratique éditoriale comme construction socio-culturelle de la littérarité des textes sur le web ». En fait, les deux auteurs de l'article expliquaient que quand on publie un contenu sur le web, il est automatiquement auctorialisé. C'est-à-dire qu'il y a le nom de l'auteur qui apparaît, la date, etc. Tout un tas d'informations qui ne sont pas... définie par l'auteur même, comme dans le système traditionnel de l'imprimé, mais qui sont prescrites techniquement. Et donc, ici, sur le forum, c'est le fait que tout message, sur la chatbox comme sur le topic, soit automatiquement daté et signé. Fanny Georges explique que ces indices de vivance participent à la métaphore du flux, en donnant du mouvement à l'ensemble du système de représentation de l'utilisateur. Donc en fait, il y a deux types d'indices de vivance. Les indices de présence qui font signe vers le corps de l'utilisateur en rendant visible sa connexion sur le site par le biais d'une icône graphique. Et ici, du coup, on avait, j'avais pris le petit widget en bas du forum où on voit effectivement tous les utilisateurs enregistrés en même temps. Donc ça, c'est les indices de présence. Et les indices chroniques, le rythme de publication ici présent dans le topic de texte. Donc Juliette manifeste doublement sa présence. Elle est coprésente avec son audience sur la chatbox, parce qu'on voit son petit pseudonyme connecté sur la chatbox, et présente sur son topic de texte par le biais de la datation de chacun des messages. Cela permet aussi d'attester de la réussite de la performance en l'inscrivant dans une durée. La présence du corps de Juliette est donc à la fois indicielle et métaphorique. Et en fait, il y a... Mais la performeuse utilise également l'écriture littéraire pour fournir une fictionnalisation seconde, une représentation des interactions presque immédiates ayant eu lieu sur la chatbox. Donc il y a un sociologue du web qui est super intéressant, qui s'appelle Antonio Casilli, qui explique dans Les liaisons numériques que le web est un lieu qu'on habite, et qui évoque des paysages cognitifs. C'est ce qui explique qu'on utilise conventionnellement des métaphores spatiales pour rendre compte de nos expériences de navigation. Et rien que le terme navigation, c'est une métaphore spatiale prise au vocabulaire maritime. En fait, Casilli dit « Nos métaphores spatiales pour expliquer nos expériences du numérique sont le plus souvent maritimes ou stellaires, mais il y en a d'autres. Au sein des communautés numériques notamment, on utilise souvent des métaphores liées à l'espace domestique ou citadin pour rendre compte de la sensation de coprésence des membres simultanément connectés. La chatbox est souvent perçue comme un espace chaleureux et clos par rapport au forum qui sera un espace ouvert. Ici, le texte s'ouvre sur une opération de franchissement du seuil, comme si l'action de connexion permettait de pénétrer l'espace clos de la chatbox. Donc ça commence comme ça, la porte n'était pas verrouillée, la porte n'était même pas fermée, et lorsque Juliette frappa, elle s'ouvrit tout naturellement, laissant apparaître un immense hall d'entrée au décor spartiate, dont seul un candélabre posé à même le sol réchauffait les murs décrépits. Donc juste avant de continuer, pourquoi est-ce que les internautes recourent à des métaphores pour rendre compte de leur expérience du numérique? Pour une raison très simple, et ça c'est Fanny Georges qui en parle très bien, c'est parce que nous ne possédons pas encore de cadre interprétatif ou discursif pour des expériences qui sont très neuves. Et on fait toujours comme ça, quand il y a des nouveautés technologiques par exemple, on recourt au cadre interprétatif et au vocabulaire ancien, par analogie, par métaphore, pour mieux saisir l'expérience qu'on se fait de la chose. Et même le mot forum, quand on parle des forums, c'est un mot métaphorique, c'est une comparaison, une analogie avec
une expérience qu'on connaît mieux. Et d'ailleurs, quand on parle de présence numérique, d'identité numérique, c'est peut-être un peu fautif. Ce sont des analogies. Voilà. Donc ici, la pièce n'était que partiellement décrite, mais les opérations de salutation réciproque occupent plusieurs paragraphes. Alors, je ne les ai pas tous mises dans les slides, mais vous pourrez aller voir le topic. En fait, Antonio Casilli explique qu'au sein des communautés numériques, on a des rituels d'hospitalité qui sont souvent très développés, et normatifs d'ailleurs. Par la suite, les personnages du petit récit de Juliette disparaissent et se demandent s'ils ne sont que littérature. Ils tentent de résoudre l'énigme de la nature du lieu qu'ils occupent. On peut lire une phrase telle que « L'hécatombe n'en était qu'à 6% de chargement, mais l'horreur était réelle. » En effet, les membres connectés sur la chatbox également... les membres connectés sur la chatbox se déconnectent, se connectent. Donc, on fait comme si... À l'intérieur de l'espace de la fiction, cette déconnexion était une disparition littérale. Comment est-ce qu'on peut expliquer que quelqu'un disparaisse d'un coup? Ensuite, Juliette fait quelque chose de super intéressant. Elle travaille les membres du forum par la fiction de trois manières différentes. C'est-à-dire qu'elle les transforme, dans son petit récit, en personnages. Elle a trois manières de procéder. Elle passe d'abord par leur fonction sur le forum. Ici, c'est le cas avec la shérif Red Scarf. Il faut savoir que Red Scarf est modératrice du forum. Qu'est-ce que c'est un modérateur dans une communauté numérique? C'est quelqu'un qui est chargé de l'application du règlement. C'est un shérif. Elle fictionnalise également, et c'était peut-être l'opération la plus intéressante, à partir de thèmes ou de formes récurrents dans l'écriture du membre, et propose ainsi une lecture synthétique des membres comme écrivains réduits à leur corpus de texte. Ici, ce qui est super intéressant, c'est que c'est un geste critique. Et sur le forum, on a déjà vu, il y a une forme de réversibilité des rôles entre la lecture et l'écriture. On est à la fois critique et écrivain. Et bien ici, à l'intérieur de l'écriture, elle fait en fait un geste critique qui est super, super intéressant parce que très synthétique. C'est le cas ici, lorsqu'elle dit « L'arrivée de Noxer, le semeur de graines, égaya un instant les esprits. » Trois pâquerettes poussèrent entre les dalles de pierre et le nom des anges s'inscrivit en lettres de lierre sur les murs. Faut savoir deux choses. Noxer a en effet ouvert une page Facebook de diffusion pour ses textes nommée Le tombeau des pâquerettes et utilise fréquemment le motif du lierre au sein de son corpus poétique et motif du lierre souvent relié à la pierre, ce qui n'a rien d'incohérent. Alors, du coup, je me suis amusée, j'ai compté les occurrences du Molière dans la poésie de Noxer. C'est apparu, il me semble, en 2016, et il y a 8 occurrences. Et ça, je ne l'ai pas dit lors du colloque, parce que ça, c'était peut-être un petit peu narcissique, mais c'était aussi une bonne manière d'illustrer un phénomène très fréquent sur le forum, c'est les phénomènes de réappropriation et de transtextualité dense. Et en fait, le motif du lierre émane d'abord d'un de mes poèmes de 2013, un petit poème de 3 vers avec l'idée que le lierre grandissait dans le corps. Et Noxer, du coup, qui est un grand lecteur des poètes, des autres poètes et poétesses du forum, l'a approprié dans sa propre poésie et l'a fait germer autrement, littéralement. Et puis ensuite, on a eu encore une membre, Akwe, qui a repris ce motif chez Noxer. Et c'est super intéressant de voir les circulations de motifs comme ça, d'un corpus à l'autre. Et donc là, dans ma typologie, avant de m'égarer, j'en étais à l'idée qu'il y avait 3 manières différentes de fictionnaliser les membres en personnages. La troisième, c'était d'utiliser tout simplement les mêmes internes à la communauté, donc le sociolecte de la communauté. Donc, à première vue, le corpus qui est défini là fonctionne sur le modèle de la performance artistique telle qu'elle a pu se développer au cours du XXe siècle. Ce sont des actions inscrites dans une aura spatio-temporelle spécifiquement définie. En fait, ça rompt lorsque la performance est un jeu littéraire avec l'imaginaire littéraire moderne, né avec le romantisme, qui présente l'œuvre de littérature comme extraterritoriale, autonome et insulaire. Et là, je reprends les propos de Pascal Mougin,
dans moderne contemporain, art et littérature des années 60 à nos jours. Ça, c'est super intéressant. Il expliquait avec le modèle du livre, on a vraiment l'idée que la littérature est séparée de la communauté, de la conversation, qu'elle est autotélique, qu'elle fonctionne seule, qu'elle n'a pas d'énonciateur réel. Le lecteur est complètement virtualisé dans ce modèle, dans cet imaginaire-là de la littérature. Et finalement, ça peut paraître surprenant, curieux, mais la littérature, par exemple à l'époque des salons, se concevait beaucoup plus sur un modèle conversationnel intégré dans une communauté. Donc en fait, la littérature moderne se détachait à la fois du corps de l'espace et de l'interaction, ça c'est toujours Pascal Mougin. Or, la performance littéraire, comme celle que je viens de vous présenter, renoue avec des cadres beaucoup plus anciens qui mettaient en œuvre des modèles d'interaction sociale, des rituels collectifs performés, dansés, chantés. Le lecteur, qui était donc virtualisé hein, par l'imaginaire moderne de la littérature, redevient ici un énonciateur à part entière. C'est le cas parce qu'en fait, dans la performance, les personnes qui sont sur la chatbox vont infléchir le déroulement de la performance. Ils peuvent le faire volontairement. Donc le modèle est conversationnel. On y tisse une relation de connivence avec le public, entendu avec John Dewey comme l'ensemble des acteurs sociaux qu'une œuvre mobilise pour exister comme telle. Donc ici, dans l'œuvre de Juliette, c'est qui forme le public? C'est à la fois les personnes qui se connectent sur la chatbox et qui fournissent le patron de l'écriture, les lecteurs, même invisibles, du résultat de la performance, et les commentateurs qui prolongent la conversation sur le plan critique. On peut donc parler d'œuvres processuelles dont les résultats importent moins que le processus de mise en œuvre. Et c'est beaucoup le cas dans la littérature contemporaine, en tout cas dans les arts littéraires. D'ailleurs, Juliette n'avait pas peur, n'a pas réussi à rester connectée 24 heures sur la chatbox, incident qui n'a pas été, je crois, relevé par les commentateurs. Cela appuie l'idée d'une littérature nativement numérique, à la fois matérielle et expérientielle, inscrite dans l'ici et maintenant de sa réalisation. Dans l'écosystème imprimé, la publication est un processus long qui engage une grande pluralité d'acteurs. Or, sur une plateforme numérique, elle semble juste presque immédiate et permet à l'écriture et au texte écrit de participer à l'élaboration d'une performance en direct. Ce sont les médiations numériques, techniques, qui viennent outiller cette publication en temps réel et qui se font en dernier recours oubliées comme médiation. Elles deviennent transparentes et créent pour les participants, public comme performeuse, une sensation de coprésence et d'immédiateté qui semblait évincée des techniques de publication beaucoup plus lourdes de l'imprimé. Donc là, j'allais terminer mes deux premiers mouvements de réflexion et j'allais maintenant interroger sur les esthétiques. Donc, je trouvais intéressant de se poser la question des filiations et des influences qui mènent à l'élaboration de performances littéraires sur un forum d'écriture. La longue tradition des performances artistiques du XXe siècle pourrait à première vue sembler une piste intéressante, mais il me semble qu'il faut chercher ailleurs. Alors, les membres du forum que j'étudie sont jeunes en moyenne. Ils ont entre, je dirais le gros du troupeau, entre 15 ans et 35 ans. Il y a plein d'exceptions, mais voilà. La plupart d'entre eux se sont inscrits adolescents sur la plateforme et ont construit leur pratique d'écrivain en rapport avec elle. Donc ils se sont construits par rapport à sa culture, par rapport aux pratiques des autres membres et non pas par rapport au modèle de l'imprimé. Par exemple, leur identité auctoriale, c'est un petit exemple qui peut donner une idée de ce que j'ai expliqué. Donc leur identité auctoriale, c'est pas la même que dans le modèle de l'imprimé où ça va être le patronyme. Et la photo qui vous représente par exemple sur le bandeau du livre, ça va être un pseudonyme, une identité pseudonyme, et un avatar. Et l'avatar, la norme sur le forum, c'est qu'il ne représente pas votre visage. Et ça c'est rigolo parce que moi quand je me suis inscrite sur un forum pour la première fois, j'avais mis une photo de moi en photo de profil, en avatar. Et j'ai fini par comprendre que c'était pas du tout la norme, donc j'ai changé. D'ailleurs, avatara vient du sanskrit et signifie incarnation. C'est les dieux qui venaient s'incarner dans l'univers des êtres humains. Donc c'est toujours très rigolo de voir qu'en fait l'avatar dans les communautés numériques, c'est l'image du corps, le corps qui devient matériel alors qu'il n'était que virtuel. Et effectivement, les avatars de beaucoup des membres de forums représentent soit des visages, soit des corps entiers.
qui ne sont pas ceux de la personne physique derrière l'écran, mais quand même, c'est une métaphore du corps dans l'espace numérique. Je me suis encore égarée. Alors, souvent, les artistes numériques institutionnalisés, étudiés, établis, sont un peu plus âgés que ces 12-35 ans, et ont parti liés d'une manière ou d'une autre avec le monde de l'imprimé, qui a permis de leur offrir une légitimation suffisante pour qu'on les reconnaisse comme écrivains. Les écrivains de mon corpus sont, eux, nativement numériques. En général, nul instance traditionnelle ne les a encore avalisés. En fait, c'est pas vrai. C'est pas tout à fait vrai. Il y a beaucoup de gens édités à compte d'éditeurs sur le forum. Mais dans la communauté de pratique numéro 2, les écrans 20, donc ceux qui vont vraiment se saisir des capacités esthétiques offertes par la plateforme forum, c'est moins le cas. En tout cas, c'est pas des gens qui vont vers l'édition traditionnelle, pour l'instant. Ça peut changer. Or, les écrivains plus âgés ont souvent, vis-à-vis de la culture numérique geek, une position de surplomb critique et pastichelle à la fois. Et je voulais montrer, en fait, un exemple, avec François Bon. François Bon, qui est un écrivain star de l'écriture web, a consacré une série de vidéos au service de presse, donc en fait tous les bouquins qu'il reçoit. Et en fait, il reprend le canevas des vidéos d'unboxing proposées par les booktubeuses. Mais lui, ce qu'il fait, c'est qu'il déchire les emballages, voilà, et puis ensuite il les jette derrière lui, et puis il jette les livres. Là, j'ai essayé de prendre un moment, il était en train de jeter l'emballage du livre. Et donc il rompt complètement avec la sacralité accordée à l'objet livre, mise en scène par les booktubeuses. Donc il reprend le canevas d'un technogenre de discours, l'unboxing. Alors, technogenre de discours, qu'est-ce que c'est ? C'est la linguiste Marianne Pavot qui a travaillé là-dessus. C'est un genre de discours, j'ai la définition normalement, doté d'une dimension composite issue d'une co-constitution du langagier et du technologique. Donc l'unboxing est un genre de discours, un technogenre de discours, pardon. Donc il reprend le canevas d'un technogenre de discours, mais en propose une forme de lecture critique. Les membres de mon corpus n'ont pas vraiment cette attitude vis-à-vis de la culture geek. Elle est leur environnement de création, elle constitue un des éléments de leur culture, ils la mixent à une culture littéraire plus légitime sans mettre en scène de hiérarchie, en fait, entre les éléments de leur inspiration. Et finalement, ça, c'est une attitude vis-à-vis de la culture geek qui est plus jeune. Et on peut penser aux écrivains du mouvement états-unien de l'alt-lit. Un petit mouvement nativement numérique. C'était des écrivains en fait qui écrivaient sur leur blog globalement, pardon. Et puis ils ont eu un espèce de chef de file, l'écrivain Taolin, qui a créé une maison d'édition, Mumu House, et donc ils se sont édités numériquement en fait. Ce serait peut-être un peu l'équivalent de Publi.net, Mumu House. Mais du coup, dans l'alt-lit, il y a une forme de premier degré. D'attitude de sérieux vis-à-vis des éléments de la culture numérique. Et ce serait la même chose chez les écrivains de mon corpus. Donc il me semble que ces performances conçues de manière contractuelle envers une audience complice et mettant en jeu l'endurance du corps sont davantage inspirées par une culture geek du challenge que par le modèle de la performance artistique légitime, etc. En fait, là, je me suis rendu compte qu'il n'existait pas du tout d'études universitaires sur les challenges web, ou alors j'ai très mal cherché, mais bon. Mais on trouve aussi bien sur YouTube qu'aujourd'hui sur TikTok des milliers de vidéos sur le modèle du challenge qui forme un technogenre de discours, du coup. Et là, je me suis intéressée, bon ça c'était les booktubeuses, hein, sur l'unboxing. Donc on... voilà. Donc le modèle du challenge, je me suis intéressée au mukbang, donc c'est une pratique de Corée du Sud, qui c'est d'abord télévisuel, hein, ça n'a pas été directement YouTube, mais bon, aujourd'hui, on trouve beaucoup de youtubeurs coréens et aussi beaucoup de youtubeuses coréennes qui se filment en train de manger beaucoup devant la caméra le plus vite possible. Voilà. Donc ils mettent le... Voilà, c'est une forme de performance. Puis ensuite, des challenges, ça SM un petit peu partout. The Space, là j'ai trouvé ce challenge à 4,4 millions de vues. Bon, voilà. Ce que je voulais dire, et c'est pas une analyse hyper poussée, c'est qu'à mon avis,
dans la performance de Juliette N'avait pas peur, il y a plus de ce type de défi que les performances artistiques légitimes qu'on trouve dans les grands musées, etc. Et je trouve super intéressant de voir que finalement l'environnement web infuse dans les formats de création des membres du forum, pardon. Et c'est à ce moment-là que j'avais un petit peu présenté du coup d'autres œuvres qui me semblaient appartenir à ce même type de mouvement. Je sais pas pourquoi je voulais montrer des mèmes, mais voilà. Donc il y avait la liste des sujets à traiter avant de passer à autre chose. Donc ça c'est une œuvre d'Aon Fallos qui date de septembre 2019. Et en fait il s'était donné pour règle de traiter très rapidement en un soir une liste de sujets qui était très très longue. Je ne les ai pas tous mis ici, il y en avait une trentaine si je me souviens bien. Et ce qui était super intéressant ici, c'est que c'était vraiment une écriture presque en direct, hein, qui était publiée très très vite. Et qu'en fait, on pouvait voir en combien de temps il avait écrit un poème grâce aux heures de publication. Donc vraiment, encore une fois ici, l'octorialisation industrielle là, dont je parlais tout à l'heure, sert la performance, pardon, sert d'attestation de réussite pour la performance. Donc là, on voit par exemple que Écran et fil a été posté à 21h19 et Rivière sur le balcon à 21h20, ce qui signifie que Rivière sur le balcon a été écrit en une minute ou moins. Et puis moi, ce que j'avais trouvé rigolo, c'était les petites didascalies. Donc ici, appel téléphonique hier à 21h45, puis sommeil, puis travail, reprise à 13h15. Donc ici, c'est aussi intéressant, c'est presque un gage d'authenticité. Aon Fallos montre qu'il a été interrompu et que finalement son objectif qui était d'écrire tout très vite en une soirée n'a pas fonctionné. Et donc il a repris le lendemain. Et il y avait aussi cette petite didascalie très drôle, post-préparation du thé. Enfin, drôle, mignonne. Et bon, ça j'en ai pas parlé au colloque, mais moi aussi j'avais fait la même chose. Quand j'avais vu qu'il faisait ça, je m'étais dit c'est trop bien, donc je vais faire la même chose. À ce moment-là, j'étais à Budapest et du coup j'avais fait la liste des sujets à traiter puisqu'on est à Budapest et j'avais écrit comme ça, avec une petite liste que je m'étais faite avant, très vite. Et ce qui était rigolo, c'est qu'encore une fois, il y avait essaimage, reprise d'un patron formel très très vite. Ça, ce sera sûrement un des actes de ma thèse. Et ce que je voulais présenter ensuite, c'était évidemment l'enquête sauvage comme performance collective. Donc ici, en fait, c'était une ligne qui avait proposé ça. Elle avait proposé que 44 ans après Garcia Madeiro, Garcia Madeiro étant un personnage de jeune poète dans le roman de Bolaño, Les Détectives Sauvages, on se lance le même défi que lui, qui était d'écrire 55 poèmes en 57 jours. Mais sur la même place, en fait, les mêmes dates. Bon, ça n'a pas été hyper respecté, mais c'est pas grave. Et l'objectif était double pour les membres, donc c'était à la fois sur une durée, un objectif quantitatif, mais il y avait aussi l'aspect de référence à l'univers diégétique des romans de Bolaño. Et du coup, là, j'avais pris en photo, je les ai pas tous eus parce que j'ai pas réussi à faire une plus grande capture d'écran, mais 1, 2, 3. Globalement, il y a une quinzaine de membres qui ont participé. Et ce qui était super intéressant, c'est de voir que finalement, chacun avait fait sa propre performance. Et il y avait eu une interconnexion progressive entre les enquêtes de chacun des membres, parce que ils se lisaient les uns les autres et qu'ils finissaient par devenir les personnages des fictions des autres. Et ça, c'était trop bien. Mais c'est pareil que pour la performance de Juliette N'avait pas peur ou pour les sujets à traiter avant de passer à autre chose. En fait, c'est pas ce qui compte, c'est pas tant la réussite que le jeu. Et je crois qu'il n'y a que 4 membres qui sont allés tout à fait au bout de leur enquête et qui ont réussi à faire les 57 poèmes en 55 jours. Et à l'intérieur du coup de cette performance collective, on avait la performance... la méta-performance de Mahendra Singh Dhoni, qui lui s'est dit « J'ai choisi de rédiger tous les poèmes de mon enquête à la date limite prévue initialement. » Donc il s'est donné une nuit, en fait,
pour rédiger les 57 poèmes. Et il a fait une espèce d'enquête super multimédiatique et tout ça. Donc voilà. Voilà, j'avais terminé. C'est terminé. Donc j'espère que j'ai pas été trop floue, mais globalement, il y avait deux choses que j'avais très envie d'explorer ce jour-là. C'est déjà de définir un corpus de performance sur forum et de me demander comment on fait performance sur un forum, comment on scénarise la présence du corps et comment on prouve en fait quelles sont les attestations de réussite de la performance. Et la deuxième chose, c'était vraiment d'où viennent les esthétiques web. Alors ça, je l'ai très très mal traité, j'en ai conscience. Tout simplement parce qu'il n'y a pas d'études universitaires sur la culture geek, ça n'existe pas. Voilà, c'est vraiment dommage. Mais et je ne peux pas à la fois faire ma thèse et faire une énorme étude esthétique sur les canons de création de YouTube, TikTok et voilà. Mais j'aimerais bien, ce serait intéressant. Au revoir, bah du coup n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ces analyses-là, et puis en fait, si ça se trouve, vous n'êtes pas du tout d'accord et vous trouvez que je tire la corde un peu trop, c'est possible. Voilà.